Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien comme aujourd'hui. Toujours. Nous, ça va très très bien. Mm-hmm. On continue notre série des cakes revisités façon snack industriel. On vous avait fait le Kinder Bueno, ouais. On vous avait fait le Bounty, on ouais. vous a fait le Snickers. Ouais. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, on va vous les mettre quelque part là autour de cette vidéo. Il faut que vous alliez les voir, notamment le Snickers qui est incroyable. Incroyable, moi, mon petit favori jusque-là. Aujourd'hui, on va vous revisiter le Ferrero Rocher en façon cake. Incroyable. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce cake? Eh bien, tout simplement, entre guillemets, un appareil à cake au cacao et à la noisette. À l'intérieur, une pâte à tartiner noisette. Maison, hein. Maison, bien évidemment. En course. Et un petit glaçage rocher, donc assez simple finalement, aux noisettes, forcément, pour avoir ce petit rappel. On veut avoir un maximum de goût de noisette. On veut avoir du croquant, comme on a à l'intérieur de notre Ferrero Rocher. Et on va avoir du crémeux avec cette pâte à tartiner qui va être au cœur. Je pense qu'on va se rapprocher assez fort, on va voir ça ensemble. On va commencer dès maintenant avec la confection de la pâte à tartiner. C'est parti! Pour commencer, on va torréfier les noisettes à 150 degrés pendant environ 30 minutes. Une fois qu'elles sont refroidies, vous les mettez dans le bol de votre robot coupe, vous y ajoutez du chocolat au lait fondu, et on va mixer le tout jusqu'à avoir une texture qui soit la plus lisse possible. Une fois que c'est le cas, on ajoute la crème liquide chaude, la pesée de miel et l'huile de noisette. Et on va faire l'émulsion comme une ganache, mais au robot coupe. Vous mixez donc jusqu'à avoir une espèce de ganache pâte à tartiner qui soit super lisse et brillante. Voilà, comme ici. Vous réservez votre pâte à tartiner dans un récipient. Imaginez le goût de cette pâte à tartiner. Vous la filmez au contact pour éviter d'avoir une peau à la surface et vous la laissez à température ambiante. On va continuer avec l'appareil à cake et on va le mettre à cuire. On va commencer par faire un beurre noisette avec notre pesée de beurre. Dans une casserole à fond large, on va faire fondre petit à petit notre beurre. Et on va le laisser crépiter sur un feu doux à moyen jusqu'à ce qu'il obtienne une couleur noisette, une odeur noisette et un goût noisette. Même si on vous déconseille de le goûter comme ça, vous verrez juste qu'à l'odeur, ce sera noisette. Dans un cul de poule, on vient mettre les jaunes d'œufs et on ajoute la cassonade. On vient fouetter vivement, puis on ajoute la crème liquide, puis la farine et le cacao en poudre, idéalement le tout tamisé. Il en restait un peu au fond du bol. On ajoute ensuite la poudre de noisette, ainsi que la levure et les noisettes concassées. Déjà là, vous avez envie de tremper une cuillère dedans. On ajoute ensuite l'huile de noisette et on termine avec notre beurre noisette. Et notre appareil à cake est prêt. On va pouvoir le mettre dans notre moule à cake, bien beurré et fariné. On fait attention de ne pas en mettre trop haut parce qu'il va gonfler avec la levure. On secoue bien pour que ce soit bien homogène dans notre moule et on enfourne pendant 50 minutes à 150 degrés. N'oubliez pas de le piquer à l'aide d'un couteau pour vérifier la cuisson, évidemment, tout dépend de votre four. Et on peut le démouler une fois qu'il est tiédi. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va terminer le gâteau, on va vous montrer comment faire le montage et ensuite on va réaliser le glaçage rocher. On vous retrouve juste après pour le déguster et voir si oui ou non on est dans le vrai par rapport au Ferrero Rocher. Et si vous avez des interrogations sur le glaçage rocher, on vous invite comme toujours à regarder les ateliers virtuels, déjà voir à quoi ça ressemble avec le Solidarity Pack qui est totalement gratuit et si ça vous convient et si vous avez envie d'avoir encore plus d'explications en pâtisserie pour comprendre vraiment l'utilité de chaque ingrédient, pourquoi on met ça dans tel ou tel ordre, on vous invite vraiment à regarder, notamment pour le glaçage rocher, l'atelier virtuel sur les glaçages. On va le fourrer généreusement avec notre pâte à tartiner qui ne doit pas être trop froide, hein, qui doit être assez liquide pour pouvoir ne pas casser le cake. D'ailleurs, tenez-le bien sur le dessous pour éviter que le cake se déchire. Et une fois qu'il est bien rempli, vous pouvez le réserver. Pour le glaçage rocher, vous mélangez du chocolat au lait bien fondu dans un cul de poule, avec des noisettes torréfiées concassées et de l'huile de noisette. Vous allez avoir un glaçage rocher qui va avoir un goût juste exceptionnel.
Vous mélangez bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène et on va pouvoir terminer notre cake. On peut glacer généreusement avec notre glaçage rocher notre cake. On homogénéise les noisettes et on va le récupérer. On essaie de racler légèrement le dessous pour qu'il n'y ait pas une grosse trace de glaçage rocher. Et une fois que le glaçage a bien figé, on peut saupoudrer généreusement de poudre d'or notre cake à l'aide d'un pinceau. Ça, c'est vraiment pour avoir l'effet feuille du Ferrero Rocher emballage. Mais si vous ne voulez pas investir dans la poudre d'or, il sera tout aussi bon. Oui, l'or n'ajoute pas vraiment de goût. Et voilà, notre cake est prêt. On peut le découper une fois qu'il est revenu à une bonne température ambiante et découvrir notre cœur de pâte à tartiner. Alors moi, je trouve le résultat... Ça claque, quoi. Poudré en or, en plus, en mode le petit papier qu'il a sur le Ferrero Rocher. Moi, j'étais devant le lingot d'or. Non, mais ça fait lingot un peu. Hein. Et l'odeur ça est trop bon. Incroyable. De tous les cakes qu'on a fait, c'est l'odeur la plus incroyable. À la vôtre. Allez, à la vôtre. À la nôtre, surtout. Je retrouve le Ferrero Rocher. C'est vrai. La pâte à tartiner. Elle fait tout. Il en faudrait plus. Ouais. Peut-être qu'on aurait pu en mettre sur le dessus. Hyper bon, hyper gourmand. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir trop de pâte à tartiner. Du coup, vous pouvez en retartiner sur votre cake. Donc vous allez en manger une tranche. Moi, honnêtement, c'est ce que je vais faire. C'est vraiment délicieux. Mais moi, je ferais carrément ça. Je découpe une tranche, je sors la pâte à tartiner, je m'en étale. Ah ouais. Si vous me connaissez, vous savez ce que je fais ensuite. Je le trempe dans le chocolat chaud. Exactement. Et là, c'est incroyable. Il est très très bon. Franchement, il fait partie de mes favoris. Si on devait les classer, je pense que c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent refaire cette série de cakes façon snack industriel. Mais fait maison. Si vous avez vous aussi refait tous les cakes, dites en commentaire lesquels vous préférez. Moi dans l'ordre, ça ferait Snickers, Ferrero, Bounty et Bueno. Et bah moi aussi, je crois que j'ai exactement le même ordre. C'est très très bon. Je sais juste pas vraiment entre le Ferrero et le Snickers, je pense qu'ils sont très proches tous les deux. Les deux autres étaient vraiment délicieux, mais là c'était vraiment des pépites. Alors là, le côté doré en plus. Moi qui suis bling bling à mort, je fonds. Dites-nous en commentaire si vous êtes en mode bling bling ou si vous n'allez pas mettre la poudre d'or, vous n'êtes pas obligé, on s'en fiche complètement. Bien juste sûr. Le glaçage sera très bien. D'ailleurs, même sans glaçage, il serait très très bien. Mais on serait moins dans le Ferrero Rocher parce qu'il faut quand même du croustillant avec les éclats de noisettes. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a réussi à vous donner l'eau à la bouche et donner envie de refaire cette recette à la maison. Si vous la reproduisez, mentionnez-nous sur Instagram si vous postez évidemment votre réalisation. Ça nous fait super plaisir de pouvoir venir voir ce que vous faites. Ne partez pas de cette vidéo avant de vous être abonné, les amis. Ça nous fait super plaisir que vous nous regardiez jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, c'est un petit peu dommage. Ça coûte rien, c'est absolument gratuit et nous, ça nous fait hyper plaisir et en plus, ça nous aide dans notre travail. C'est donc clair. Merci beaucoup d'avance à vous tous. On vous embrasse très fort et on vous dit à dimanche prochain. Bye. Ciao.